Alors, il est quoi? Il est 9h10. Déjà tout à l'heure, 8h05, l'Allemagne commençait à passer en FM. Là, c'est parti. Là. D'activité, mais c'est trop loin. Ah, ça vient d'étranger. Bon, et de ce côté-là. Ah. À bien voir tout à l'heure si ça le fait ou pas. Si c'est comme hier, ça va le faire à fond. Oh, ça mijote. On va laisser mijoter. C'est là qu'on commence à piétiner d'impatience. Ouais. C'est bon. Ça va le faire. Oh. Là, ça devient intéressant. Attention, la station du Vaucluse pour Dandy 33 qui l'on s'appelle sur le sud-ouest France du côté de Bordeaux. Ah bon, ben tant pis. Thank you.
Il y a du monde. Vous voyez que sur le canal 19, il y a du monde. Là, on est en plein dessus, là. De Covid, c'est vrai que c'est pas évident ce truc. Et 73-51, les stations de Dundee 33 depuis Bordeaux. Didier, les 213-51 de Dundee 33 sur Bordeaux, département de la Gironde. Et une telle cacophonie, ça arrive de tous les côtés. Là on voit qu'il y a du monde sur le 19. Mais du coup, là, c'est un peu compliqué pour sortir quelqu'un. Et les autres canaux sont pas mal encombrés aussi. Ça, c'est dommage qu'il y ait les autres en FM, ça pourrait vraiment être cuiro là. Petit tir là-haut pour voir. Sécurité, sécurité, sécurité.
2011, l'opérateur Robert a eu coup sur la tour avec cette ligne de 485, je rappelle, 480. Ah, là c'est pas possible. Ça c'est le souci, faut essayer d'écouter avant de faire QSY, il faut essayer d'écouter la fréquence de dégagement, mais bon, c'est pas toujours très fiable. Des fois, ben, le temps de revenir, de lancer son appel, la fréquence a été de suite occupée. Bon, c'est un petit peu, ça fait partie du jeu, quoi. C'est pas bien méchant, il y a plus grave. On se calme des 5 minutes. Vache, il est écrasé. Station est 73 de 14 km, 33-01 en mobile sur Bordeaux. Tu as 27 430, ok, c'est parti. Attention, la station de Bordeaux pour Jean-Marc.
Je suis rendu. Les bosses 13, c'est côté à vous de 14 km, 3301, opérateur Rémi. Actuellement en mobile arrêté au Pro, à Chy-Trois-Coups, sur le nord-est de Bordeaux, à Bassins, sur le bord de Garonne, à côté de Bordeaux. Rémi, je peux plus indiquer sur ici, c'est 14 Oscar Delta Fox 084. Je suis sûr. Bon, les stations, il y a déjà un cuisseau là. Donc on arrive là, on est en train de les perturber. Je suis en train de 440, c'est parti. Voilà. Ok, ouais, ça a l'air d'aller beaucoup mieux là de ce côté-ci. Jean-Marc pour Rémi, voilà, c'est bon, là ça va déjà mieux là. Bon, il y a un autre cuisseau, mais il est assez QRP, donc ça va pas se gêner là. Alors, je voulais te demander sur l'indicatif, Rémi. Est-ce que tu as l'indicatif? Je sais que tu es dans le département 33 sur Bordeaux, mais j'ai pas noté l'indicatif. Ok, pour l'indicatif, c'est 14 km 3301. Ok, ça marche, c'est parti. Ok, rendu, voilà. Ah, c'est la folie, il y a des cuissons de partout. Hein. Donc, si tu m'entends, essaie de me donner ton indicatif. Ok, pas de problème. Alors, pour l'indicatif, c'est 14 Kilo Mike 3301. Ok, attends, là je pousse un petit peu plus. Pour l'indicatif, c'est 14 Kilo Mike 3301. 14 Kilo Mike 3301. Oui, affirmatif, c'est exactement ça. En plus, je suis en train de regarder l'heure. Je vais être obligé de passer en QSY. C'est bien dommage. Je suis au Pro, là, c'est bien dommage. Bon, tant pis, je repasserai là tout à l'heure. Je relancerai appel sur le 555. On arrivera bien à se recopier à nouveau. Je suis désolé là de m'échapper vite fait. Là, je viens juste de réaliser l'heure qu'il est. Et j'ai du boulot qui m'attend là de suite présentement. Bon, c'est pas grave, les 73 et à tout à l'heure. Ok, Rémi, il n'y a pas de souci, les 73, les habitués, t'arrives ici à 9 plus France, hein, sur Toulon. Les habitués à toi, bon trou, merci, bye bye. Ok, pour Toulon, à tout à l'heure, à plus tard. Et zut. Vous avez entendu ça aussi? Et j'étais à côté de la plaque. Ah la vache! Bon bah du coup, je suis en train de faire ma ronde en voiture, je fais le gros fignon là. Ah oui, là je fais ma fignasse. Il est derrière. Attention, les stations en fréquence pour Dandy 33 qui lance appel 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le nord-est de Bordeaux, les quais de Bassins.
cas où il y aurait quelqu'un qui aurait répondu, il y a des étrangers qui sont AFM. Et là, pour le coup, eh ben, ça fout le bazar. Donc, du coup, eh ben, j'ai rien compris. Attention, la station fréquence est pour Dundee 33 qui laisse appel et qui vous propose un QSY sur le canal 21. Le canal 21, c'est parti pour moi. Hop, attention, la station fréquence est pour Dundee 33, 14 km, 3301. Opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France. À côté de Bordeaux, enfin ouais, c'est Bordeaux, hein, Bordeaux-Bassins. Bon, bah, qui a dit qu'il n'y avait personne sur la CB, quoi. Il y a une espèce de bout à bas, ça c'est encore du côté de la FM. Bon, ok, bah, c'est pas gagné là. Bingo. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France et qui vous propose un QSY sur le 27-625. 27-625. Ah zut! CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, QTH Bordeaux-Bassins. Ouais, cette cacophonie. Hop, je crois qu'il y a déjà un QSO derrière, j'ai entendu le Luxembourg, à moins que ce soit aussi un appel. Oui, 14 km, 77, 3 petits points, ou plutôt 2 petits points, Loïc, de 14 km, 3301, opérateur Rémi, les bandes 73-51 à vous, voilà, je suis actuellement en mobile, sur le nord-est de Bordeaux, là, pas loin des quais de Bassins, voilà, et pour ma part, c'est Opro, Hachi 3 coups. Ok,
14 km 7739, eh bien ça tombe bien, je suis actuellement en train de faire une petite vidéo, enfin ah, faut que j'arrête de dire petite, putain ça devient rengaine, ah chi, je suis actuellement en train de faire une vidéo, voilà j'ai le poste, j'ai la caméra, là je tourne sur une seule caméra là, vu que je suis au pro, donc qui est braqué directement sur le poste, donc tu pourras t'écouter, tu pourras voir le signal, et j'en connais qui vont être jaloux sur le département 77, il y en a qui vont être jaloux, hachis trois coups. Voilà, il y a de la surmodulation, il y a beaucoup de surmodulation là derrière. Là. Ok, désolé, oui, notre station, les besoins de 13-51 également, les besoins de 13 de 14 km, 33-01. Ok, 77-29, c'est dans la boîte, c'est enregistré. Ok, d'accord, pas de problème. Eh bien, c'est vrai que le département 77, ça m'est assez rare de le faire. Quoique, je ne suis pas au QRA, mais plutôt là, pratiquement sur le bord de Garonne, là au nord-nord-est de Bordeaux. Donc forcément, le couloir n'est pas du tout le même. Et là, et puis en plus de ça, il a plu il n'y a pas longtemps. Donc là, j'ai un plan de sol des meilleurs. Hachi, trois coups. Para recibir la carta electrónica, te prego de visitar Ah zut, ça, la propague a tourné là directement là sur l'Italie, si je reconnais bien. Et là, du coup, là, j'ai perdu tout le monde. Hop là, bah, tout qu'on le fait, c'est tout le monde qui est revenu d'un coup. Hachi, oui Loïc. Oui, là c'est très compliqué. Là, il y a énormément de monde avec la propagande là qu'il y a en ce moment là tous les jours. C'est vrai que là c'est vraiment pas évident là de faire les contacts. Je vais aller chercher une fréquence un peu plus haut là. Avant de lancer l'appel, je suis venu voir ici, c'était propre. J'ai lancé mon appel sur 555, vite fait QSY là. Eh ben non, il y a déjà du monde. C'est la magie de la radio. C'est ça la magie de la radio. Je suis allé tout à l'heure du côté de la M, c'est pareil, hein, ça passe pas mal aussi. Hein. Il y a les départements français là qui passent, là un peu sur tous les canaux là plus bas. C'est dans tous les modes, et en FM, il y a l'Allemagne, il y a tout ça qui passe aussi là très fort. Ça arrive de partout. Là, c'est vrai que là, on va finir par trop s'y habituer à avoir de la propagande comme ça tous les jours. Ça va devenir chiant à un moment donné. Hachi ! Oui, le mobile, les 73-51 de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dandy 33 en mobile, au nord de Bordeaux, sur Bassins. Et qui a dit qu'il n'y avait plus aucun mobile? Ok Fred, les bonnes 113-51 à toi également. La part de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dandy 33, également actuellement en mobile. Et au pro en plus, je travaille trop, il faut que je ralentisse, c'est pas possible ça. Ah si. Voilà, sur bah, comme j'ai dit tout à l'heure, là sur le nord-nord-est de Bordeaux, là sur la pas loin des quais de Bassins. Donc là j'ai un plan de sol là des meilleurs là sur le coin là. Écoute mon Rémi, c'est la première fois que j'arrive à te côté, normalement je suis du 77. Je me trouve du côté du Tréport, sur le haut des falaises, en mobile arrêté, à peu près 100 mètres d'altitude en mobile, reçu. Ok, ah oui quand même, c'est pas n'importe où en plus, d'accord. Et j'ai une connerie qui me passe par la tête. On dit souvent que certains disent que l'herbe est meilleure ailleurs. Et bien là pour le coup, pour tous les deux, ben c'est exactement ça. Comme je disais tout à l'heure, justement à 14 km 77-29, depuis le QRA, le département 77, c'est très compliqué à l'avoir.
Et là, je suis là, en mobile du côté de Bordeaux. Et là, c'est passé plein pot, là, juste avant, là, de mon côté. Et là, maintenant, je vois que de ton côté, ben, c'est exactement pareil. C'est la première fois qu'on s'attrape en fréquence. Depuis le QRA, ça aurait peut-être pas été possible. Quoique, vu où tu es, si, de ce côté-là, j'ai déjà eu des stations. Car il y a des stations fixes hein, dans les environs là, de là où tu es. Fred, ouais, c'est vrai que je suis un petit peu partout. Le divine, ben tu vois, je l'ai déjà entendu en fréquence, mais jamais attrapé. Eh, pas de sous-entendu, hachi trois coups, jamais attrapé à la module. Et pourtant, j'ai déjà entendu, la première fois que je l'ai entendu, c'est quand j'ai passé sur la Belgique. Voilà, je venais d'une assemblée générale qui avait été faite là du côté de l'Alsace. Du coup, on avait passé une semaine là-haut, on avait monté du côté de la Belgique, de ce côté-là, et c'est depuis là-haut la première fois que j'ai entendu. Les falaises, j'avais une année avant, je crois, j'avais été justement là sur le nord de la Bretagne, du côté des falaises d'Étretat, de ce côté-là. Oui, je sais, c'est pas la Bretagne. Alors, j'avais entendu des appels justement de stations locales. Et j'étais carrément sur le point de vue là tout en haut là des falaises d'Étretat. Là les ce jour-là soit la propague n'était pas vraiment au rendez-vous ou alors je sais pas. Ça avait pas trop voulu le faire. Mais bon, c'est vrai que c'est un endroit qui est vraiment sympa là. Il y a une antenne à planter là-haut, il y a une expédition à faire là-haut. Hein. Ok, une MS-145, ah oui, bah comme quoi, hein, quand la propague est là, de toute façon, avec n'importe quoi, un bout de fil, ça arrive à passer. Hein. De mon côté, j'ai guère mieux. Hein. Moi, je suis là dans le mobile avec le président Lincoln 2+, et au niveau antenne, c'est pas beaucoup plus grand non plus, hein, c'est la Wilson 5000. Bon, évidemment, vu le monde qu'il y a là, partout sur les fréquences, j'ai un petit truc qui me donne la main, là, ce que j'appelle ma boîte de mirror. Pourquoi mirror? Ben parce que justement le dessus il est couleur or, donc ça va de soi quoi, c'est logique. Bon là j'en vois pas grand chose, hein. J'en vois la moitié des possibilités de façon à être à l'égal, comme si j'étais en fixe, avec rien du tout. Voilà en gros ce que ça donne. Hein. C'est juste pour donner un petit peu la main. Mais en tout cas, je suis bien content de t'entendre également, ainsi que les autres stations là, que j'ai entendues également là sur la fréquence. Alors pour la petite anecdote, la fréquence là, 27625 au canal 18 supérieur, eh bien c'est la fréquence d'un groupe québécois qui s'appelle les Tanants. Et là, on est en plein sur leur fréquence. Hachi, bon, la propague n'est pas de leur côté en ce moment, donc on ne les dérangera pas. Retour. Ok, 73 retournés, merci pour ce petit contact, et à la prochaine sur les ondes. Oui, j'ai entendu d'autres stations appeler en avant pour 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile, sur le nord de Bordeaux. Ok, Pépé, t'es passé comme un boulet de canon là par-dessus tout le monde, là ici sur le QTH. Les bottes 73-51, toi Pépé, voilà, de la part de Dandy 33, 14 km, 33-01, en mobile et au pro en même temps. Comme tu vois, je travaille trop dur, puisque j'ai même pas le temps de me mettre à la radio ou quoi que ce soit, de moduler.
tellement que je travaille dur. Content de t'entendre, Pépé, mais j'ai l'impression que toi, de toute façon, avec ou sans propague, tu dois quand même passer sur le sud-ouest de France, hein, sur le département de la Gironde. Hier, c'était pas mal sympa aussi, là, sur le QSO du canal 32. Là, ça passait bien aussi, hein. Au tour, Pépé. Ok Pépé, il y a l'Italie qui passe la plein poule qui doit être en horizontale si j'ai bien compris. Donc du coup je me le prends en pleine poire là de mon côté et là j'entends plus personne là, dès qu'il reprend le micro. Bon c'est pas grave, je vais retourner sur le 555, relancer des appels, mais entre temps je vais voir, je vais rechercher une autre fréquence un peu plus libre. Et là c'est pas gagné. Ah oui, j'ai entendu une autre station en même temps que Pépé. Les 73, la station que j'ai entendue également de la part de 14 km 3301 opérateur Rémi, en mobile sur le département de la Gironde au nord de Bordeaux. Voilà, je me recherche une autre fréquence, je retourne sur 555, et bien pour continuer à faire mes muses, tiens, puisqu'on est là pour ça après tout. Les 73 Pépé et bon QSO. Ok Rémi, merci de m'avoir répondu. Oh, il y en a un qui est en... C'est là. On a trouvé dans FM. Bon, là, c'est pas la peine. Ouais, c'est pas mal. CQ DX. Appel de 14 km 3301 opérateur Rémi et qui vous propose un QSY sur le 27 485. Le 27 485. C'est parti pour moi. CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, Dundee 33 lance appel en mobile depuis le sud-ouest France, département de la Gironde, QTH Bassins Bordeaux. Oui, dans la cacophonie qui est arrivée d'un seul coup là sur la fréquence, les 73-51 à la frontière franco-belge de 14 km 3301 opérateur Rémi, actuellement sur au nord de Bordeaux. J'ai entendu 3 Rémi, je suis tout seul dans le bush. Hachi, les 73-51, les stations là qui ont envoyé l'appel vers Rémi. Bah oui, je viens de le dire, Hachi, qui est en mobile arrêté actuellement là au Pro, sur le nord de Bordeaux, et j'en bafouille. La frontière franco-belge, retour de micro. Enregistré en Normandie. Et pour le double VX, ici, là, bah, écoutez, on vient de prendre. Si on va dire. Enregistré. Ok, 14 Golf Eco 28, Gérard. Donc les conditions, ben de mon côté c'est pareil, hein. Ce matin ça n'a pas arrêté de pleuvoir là sur le QTH. Il n'y a que ce maintenant, là, maintenant que là ça s'est arrêté là. Ça va faire du bien un petit peu. Surtout vu que je suis en plein pro. Donc pour moi de mon côté, ben, les conditions d'abusement, c'est le petit président Lincoln 2.
avec sur le toit du push la Wilson 5000. Et pour donner un petit peu la main, vu qu'il y a énormément de monde en fréquence, ma petite boîte de miroir, on va dire, qui me permet de bien sticker l'antenne et d'allonger un petit peu plus de watts. Voilà ce que c'est, là, comment je suis équipé là, du côté du mobile. Voilà, Rémi pour la Normandie, Rémi pour la Normandie, tu connais. Oui, ça a un bon signal, moi je suis une grosse génération là, donc. Ok, la Normandie, ok, le département 76, ok, les autres départements, ok, je viens de regarder, là, c'est du 53-54, là, de mon côté, là, sur le QTH de Bassins, là, au nord de Bordeaux. Voilà, ça passe vraiment bien. En ce qui me concerne au niveau de la radio, ouais, bon, on va dire que c'est un petit peu normal, parce que je tire presque pas dessus, enfin, presque pas, non, je vais pas exagérer quand même, je tire qu'à 50% dessus, et sur 6 positions, je suis qu'à la 4e. Donc je cherche pas du tout à faire la course à ce niveau-là, ça m'intéresse pas. C'est juste pour être sûr que, vu que je suis en mobile, eh bien que d'être à égal aux stations fixes. Voilà, c'est juste ça. Tu m'excuseras, il y a d'autres stations qui lancent appel, qui s'impatientent un petit peu derrière. Donc les 73 à toi, le 14, la frontière franco-belge. Voilà, de 14 km, 33-01 Rémi. Voilà, en mobile sur le nord de Bordeaux. Alors la Normandie, oui, le retour de micro la Normandie avec les bonnes 73-51 de votre côté. La Nord de France, oui, ils sont suivis. Les bonnes 73 de 14 Florida Radio Alpha 076. L'opérateur c'est la place de la ville, c'est la ville de Rouen. Voilà. Et mes conditions de musement est de 7003. Micro d'origine, et comme c'est une Sirtel 2000 Gold. Voilà, retour au microphone de Rémi. Ok, oui, enregistré de mobile qui lançait appel en même temps. Sirtel 2000 Gold, c'est vrai qu'on n'en voit plus beaucoup. Et pourtant, c'est une excellente antenne. Ah, ça, oui. De mon côté, les conditions de trafic, eh bien, c'est le petit président Lincoln 2+, avec comme antenne une Wilson 5000, plus un petit Alpha Lima entre, pour donner un petit peu la main. Voilà ce que ça donne de mon côté. Et pour le WX, ça, sur le QTH, eh bien, c'était que de la flotte jusqu'à il y a, alors on va dire maintenant, jusqu'à une heure de ça. Là, ça y est, je commence à avoir un brin de ciel bleu. Là, ça commence à se dégager là, de mon côté. Alors, ça tombe bien parce que je suis en plein pro. Donc, ça va être quand même plus sympathique de bosser comme ça. Retour à la Normandie. Ok, Rémi, il n'y a pas de souci, ça se dégage un petit peu. Ouais, quand même, hier, il y a eu. Enregistré pour Rémi. Du coup, j'étais obligé de passer la paix de la station. Et voilà, et puis c'est tout bien. Mais Rémi, ouais, je te connais par tes vidéos, voilà. Je les regarde. Et mes conditions à la mobile, c'est les mêmes que les tiennes. Sauf que c'est pas une Wilson 5000, c'est une Santéro 1200. Retour au microphone, Rémi. Ok, merci pour le retour, enregistre le break. Ben j'en ai une de côté aussi, une Santiago 1200, hein, ça marche très bien. Alors pour les vidéos, ben ça tombe bien parce qu'au niveau vidéo, là je suis en train d'en faire une, là c'est en train de tourner. Je suis en mobile, habituellement je suis sur deux caméras, mais vu que je suis au pro, bon ben je comblerai, je mettrai autre chose à la place de la deuxième vidéo, je mettrai quelque chose. Parce que bon, bah là, quand même, je suis au pro et je peux pas et j'ai pas le droit de toute façon de filmer ce qu'il y a devant moi. Voilà, ok. Il y a eu d'autres breaks avec ta permission. Ça a été un petit peu la cacophonie là en même temps. Donc, je vais lancer la pierre au milieu et ça va être à celui qui va l'attraper le premier. Je jette la pierre, achi. Alors il y en a qui vont rigoler hein, quand ils vont voir ce que j'ai mis là devant la caméra en guise de pierre.
Il y en a qui vont rigoler. Alors je la lance et retour de micro à celui-là qui sera le plus rapide. Ok, l'Italie, les 73, Emilio, la Normandie, les bottes 73, 51 à vous, de la part de 14 km, 33, 01, opérateur Rémi, voilà, Dundee 33 mobile, sur le nord de Bordeaux, plus précisément sur Bassins, pas loin de la flotte d'ailleurs. Oui, Emilio, le retour des micros, les bottes 73, 51 à vous, Emilio, apparemment ça a du mal à passer de votre côté. Ok Emilio, alors là c'est entièrement dans la boîte, il n'y a pas de souci, tout est passé. Il n'y a que sur la fin que c'est moi qui m'ai redonné de mon côté avec le clarifieur. Il n'y a que sur la fin où là je vous ai bien clarifié, il n'y a pas de souci, c'est très bien passé. Hein. Oui, mais de toute façon évidemment je connais Ludivine, je suis également sur son groupe. Et comme tu dis, elle fait partie aussi des Kilomacs. Et c'est vrai que les Kilomacs très rapidement est devenu une très grande famille. On ne peut pas allumer la station sans entendre des kilomètres de tous les côtés. C'est vraiment super, c'est vraiment génial. Retour, Emilio. Oui, merci du retour. J'ai laissé un blanc, je laisse un blanc, je reprends. Merci, comme Rémi, il y a beaucoup de monde qui est seul et qui l'a entendu. Il va faire plaisir à beaucoup de stations. Il faut savoir partager que sa propagation est là. Merci infiniment Rémi, 14 km 3301. Oui, enregistrer les breaks. Oui, Emilio. Alors là, c'est très bien passé. Il n'y a pas de souci. Puis en plus de ça, il n'y a eu quasiment pas de surmodulation. Là, il n'y a aucun problème. C'est vraiment bien passé là de mon côté. Tu pourras découvrir ça dans la vidéo. Alors, je ne sais pas du tout quelle longueur elle fera. Ça sera la surprise, car je suis pas en train de rouler. Hein. Je suis en poste fixe. Ce week-end, je suis là sur un site où ben justement j'ai l'occasion de pouvoir être dans le push. Donc là, je suis au pro jusqu'à 19h ce soir. Et c'est une chance que j'ai aujourd'hui de... Alors si d'habitude les collègues préfèrent être dans un poste de garde, là pour le coup avec la propa qu'il y a, je trouve que c'est une chance justement de pouvoir travailler dans le push. Et là, c'est tout simplement génial. Ok, les 73 ont tourné, bon QSO, profite bien de la propague, que ce soit en BLU comme du côté des 40 canaux. Tout à l'heure, ça passait plein pot aussi là sur en AM. J'ai pu entendre le... Et bien, ton côté justement sur le 19. Là, tout à l'heure en AM, je sais pas qui, je sais plus qui avait lancé appel. C'était non de ton côté, enfin du côté de Nice, je crois, ou non Avignon. Avignon que j'ai entendu tout à l'heure sur le 19, j'ai entendu aussi la Belgique sur le 19, j'ai entendu les Vosges aussi sur le 19, tout ça en AM, comme quoi l'AM n'est pas uniquement fait que pour faire du local, on peut très bien faire du bon DX en AM. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sur le précédent cycle de Propag, sur le canal 6, oui c'est ça, le 6 normal, on avait tous les jours les Américains là qui passaient, et pour eux le canal 6 c'est la cour de récréation, hein. comme le canal 5 en supérieur avec les Italiens, hein. C'est du kiff kiff bourrico.
Et bah tiens, ces derniers jours, du côté de la M, on entendait les taxis russes, hein, ou tout du moins la fille qui est au PC, là, qui passe les infos aux différents taxis. Là, ça repasse à nouveau. Bon, du moment qu'on n'entend pas, qu'on n'entend plus le perroquet vert qu'il y a de ce côté-ci, c'est le principal pour nous. Non, je crois qu'il n'y a pas grand risque, il a arrêté depuis longtemps déjà. Ok, les 73 sont tournés, il est midi moins 20 pratiquement. Bon apéro pour tout à l'heure, bon gastro également. Et à plus d'une façon ou d'une autre. Hop. Ça bouge un peu. Là, je l'ai perdu là. Ok, je pense que tu as dû relâcher le micro parce que là c'est parti en pente douce. Ok, les 73, l'Italie. Les 73 à vous, l'Italie, de la part de Dandy 33 là, sur sur Bordeaux en mobile. Merci pour votre passage. Il y a d'autres stations sur le QTH 34 là, qui sont passées. En avant, si j'arrive à vous entendre. Ok, il y a l'Italie qui passe très très fort là de mon côté. Du côté des départements français, on dirait que là ça a tourné. Ah, trois coups. Les 73 à nouveau l'Italie. De la part de Dandy 33, 14 km 3301 en mobile sur Bordeaux, sud-ouest France. Merci à vous, bye bye. Hey. Quand la propaganda, eh bien voilà ce que ça donne pour tout le monde. Ça c'est génial. Tiens, petit tour plus bas pour voir. Et 73-51, les stations de la part de Dandy 33 en mobile sur Bordeaux-Bassins, département de Gironde. Ouah, c'est monté d'un seul coup en cacophonie. Il y a encore du monde en FM, ça doit être les Allemands, j'imagine, qui doivent passer là. Inférieur en AM, mais j'ai trop de tos en bas. J'ai l'antenne qui est réglée pour les 40 canaux normaux, 40 canaux sup. Voilà, j'ai plutôt été étalonné là sur ça. Si je vais en bas, j'ai mon poste qui risque de se mettre en sécurité là. Vu que je suis en mobile, hein, donc la bande passante en mobile est beaucoup plus étroite qu'en BLU, qu'en fixe. Là, non, j'aurais beaucoup trop de tos en bas. Ok, et je viens de voir le canal 18, il a l'air d'être propre. Je viens d'écouter là sur le 18, là, juste un instant, là, ça avait l'air d'être bon, là. Donc, QSY pour ma part, sur le canal 18.
Ok, la station qui m'a répondu, la 73-51 de la part de Dundee 33, en mobile, sur le département de la Gironde, au nord de Bordeaux, QTH Bassins. Ah, apparemment, t'as pas entendu le QSY, trop de surmodulation. Ah zut, ok, je force un petit peu, voilà, je force un petit peu, j'irai pas au-delà. Non, ça serait un petit peu, parce que là, bon, j'ai forcé un petit peu sur l'Alpha Lima, donc en espérant que tu m'entendes, les 73-51, là, ouais, c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui, il y a de la propag de partout, il y a du monde de partout, mais on va pas s'en plaindre. On a été pendant quelques années à ne plus rien avoir, justement, là, au niveau des X. Donc là, là, on va pas s'en priver, bien au contraire, on va même faire avec. Donc les bonnes 73-51 à la station, je reprends mon souffle, de la part de Dundee 33, 14 km 33-01, opérateur Rémi, actuellement en mobile et au prou en même temps, sur le département de la Gironde, au nord de Bordeaux, plus précisément sur Bassins. Allez, pour chiffre à quoi la station du département 61? Ah, bah zut! La forêt des coups. Ok. Quand la propague tourne. C'est compliqué, il y a tellement de monde que c'est le point infernal. J'entends pas tout ce que tu me dis. Allez. Peut-être à la prochaine. On va voir si la propagation est mise. Bon, ben c'est pas grave. Le tout est essayé. Oh la vache, je sais pas ce que c'est ça. Oh, ça, on dirait les pays de l'Est. Ah, moi, que ce soit l'Allemagne. J'arrive pas à les reconnaître. Ah, et une petite messe. Allez, tout le monde à genoux. Il est où? Non, mais. Il y a une messe, et sur le canal 9. C'est un cas d'urgence, ça, ou pas? Ah, là, j'ai mieux reconnu l'allemand. Ah, c'est de l'allemand. De tous les côtés. J'adore quand c'est comme ça. C'est un gros bordel, c'est un gros merdier, mais qu'est-ce qu'on s'éclate? On s'éclate comme des petits fous. Alors ce qu'on vient d'entendre là, j'ai remarqué sur les vidéos des copains qu'il y a sur les réseaux sociaux, ben, peu importe le QTH, on l'entend. Alors qu'est-ce que c'est? Alors là, difficile à dire. Tout à l'heure, j'avais lancé appel ici, puis c'était juste avant que j'aille bosser.
Enfin, j'étais déjà au boulot, mais j'avais un truc urgent de suite à faire. Comme quoi, il faut y venir, là. Il y a des appels qui se font, là, ici. Vous savez pas, eh bien vu l'heure, eh bien je vais vous souhaiter bon appétit à tous. Je vais m'installer tranquillement. Ça va être pique-nique aujourd'hui. À tout à l'heure. Parce que là, je crois qu'au niveau vidéo, je vais encore me lâcher là. Bon appétit à tous. Zut. Sur certains des cas métriques, hein, ça peut se faire, ça. Enregistrer le message d'appel. Alors, il y a du feignant. Ah ouais, je confirme. Allez, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Attention, 2 secondes. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33, qui l'on s'appelle, depuis Bassins, à côté de Bordeaux. Ok, le département 78, c'est un petit peu compliqué là, parce que là, j'ai en même temps, là, il y a pas mal de bruit, il y a des petits malins, les Italiens, je crois, je pense, il me semble, qui sont en BLU. Et 73-51, voilà, de la part de Dundee 33, Rémi, 14 km 33-01, en mobile, au nord de Bordeaux, à Bassins, et au Prou en même temps, hachi. Ok, Dundee sur Bordeaux, ben, y a pas de soucis, de toute façon, généralement, quand on t'entend, tu vas soit au boulot, soit tu en reviens. Ben, écoute, ici, c'est l'opérateur Laurent, la ville de Houille, ok, pour le 78, à côté de Sartrouville, retour micro, Rémi.
Ah, je ne sais pas si je vais le faire exprès ou j'ai mal compris. On va dire que je vais faire exprès. La ville de Couille ? Non. Désolé, ça m'a échappé. Là, tu m'as tenté. Là, tu m'as tenté. Hachi. Oui, non, c'est vrai qu'au QRA, pourtant, je suis installé en fixe. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a toujours autre chose qui vient se mettre entre et c'est toujours très compliqué de prendre le micro. Alors que la station est allumée du moment où je mets un pied par terre. Jusqu'au soir, au moment du castro solide. Donc ça veut dire que je suis quand même derrière, mais bon, c'est pas toujours évident de prendre le micro. Hein. Ok Rémi. Non, mais écoute, ici c'est la ville de Couille avec un H. Laurent Douille, c'est facile à frapper. Laurent Douille de Couille. Oh putain, désolé. Ah non, là tu cherches trop. Là tu cherches trop, c'est en train de déraper dans la mousseline. Putain, j'ai failli dire autre chose. Ah la vache, j'ai une balise là qui revient là cycliquement là sur la fréquence. C'est pas évident, puis on l'entend partout celle-ci en plus. Ok, bon, Laurent, la ville de Houille. Ah, j'ai pas vu le reportage. Tiens, ça aurait été amusant de le voir. Ah la vache, il y a des casse-pompes à FM, d'autres qui doivent être certainement en BLU, plus une balise là qui, comme j'ai à l'instant, qui passe cycliquement. Ça te fait une espèce de ratatouille là-dessus, je te dis pas le goût qu'elle a. Quoi. Ouais, ah, enregistré. Ouais, c'est un bon Santiago 8, hein. Bon, une bonne radio 5, un petit peu plus appuyée, parce qu'effectivement, ça appuie un peu plus derrière. Ben oui, logique, hein, quand on appuie, ça appuie, hein, logique. Et ouais, bon Santiago 8, oui, c'est ça. Ok, bon bah ça passe, ouais, bah, c'est allumé hein, derrière de toute façon. Hein, et effectivement, si je coupe, bah, tu m'entendras plus pour le coup. Quoique pour certains, ce sera peut-être la solution. Là, je déconne. Ouais, j'ai entendu quelqu'un qui lançait appel derrière. Ce matin, je me suis régalé en BLU. Alors le gag, c'est que bon, à chaque fois, avant de lancer un appel sur 555, je vais d'abord voir quelle fréquence est libre. Ok, j'en trouve une. Je vais sur la fréquence d'appel, je lance l'appel, je retourne dessus, oh putain bordel, cette cacophonie quoi. Ah chi. Ok, bon ben j'ai dans cette cacophonie, j'ai quand même réussi à m'en débrouiller tant bien que mal. Quoique j'ai vite fait de perdre le fil là-dedans quand ça arrive de partout. Quand la propague est là, elle est là, hein. Et une fois terminé, j'étais sur le 625, là, la fréquence des Québécois, là, des talents. Donc une fois terminé, je reviens sur le 555. Ce coup-ci, j'ai basculé sur le 27485. Ah non, de Dieu, allez, on remet le couvert. Et là, avec les Italiens en plus, là, qui lançaient appel derrière, qui se lâchaient avec les coups de chambre d'écho, ceci, cela, plier de rire. Excellent. Alors, je veux dire, même si, en moi, le truc marrant, c'est que quand ça part en cacahuète comme ça, en cacophonie totale, moi, ça me fait rigoler, quoi. C'est, je préfère largement le prendre comme ça que quand je vois certains messages là, sur les réseaux sociaux où, oh là là, ça y est, de suite, c'est le drame. Oh là là, hey,
La vie est bien assez courte comme ça pour se prendre la tête, hein. Autant s'amuser, hein. Et puis merde, on n'est pas payé pour être con, alors autant rigoler. T'as bien raison, Denis, t'as bien raison, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. C'est ça que la raison d'avoir, qui ne veut pas attraper son Denis au moins une fois. La courte période de propagation, il faut au moins avoir attrapé un Denis au moins une fois. Bon, il rigole, hein. Il plaisante. Hein. Ouais, c'est ça qu'on se régale. Alors, ce que tu viens de dire, n'écoutez surtout pas ce qu'il vient de raconter, c'est que des conneries. Il raconte que des conneries, je le connais depuis longtemps. Il fait que ça, raconter des conneries. Dandy Trontron, on ne sait même pas qui c'est. De toute façon, c'est quelqu'un qui est totalement inconnu et qui reste dans son coin je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait au gîte dans son coin. Oui, il passe son temps à pleurnicher, à faire comme les petits vieux, à rester sur le banc du village et se plaindre qu'il n'y a jamais rien nulle part ou quoi que ce soit, que pour continuer comme ça, quelqu'un qui a la joie de vivre, quoi, enfin, en gros, en fin de compte, pour résumer, quoi, c'est ce que ça veut dire. Je te confirme, Rémi. Hop là. Que c'est quelqu'un de totalement inconnu, ah ben oui, 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 non mais c'est sûr, hein. Ah oui, je sais même pas qui c'est moi-même, hein. J'en ai jamais entendu parler. Ok, merci, surtout qu'il y a d'autres stations qui s'est signalé. Allez, attends, j'ai un Green Limbs là devant moi, là, dans la voiture. Je le jette au milieu, parce que je suis en train de faire une petite vidéo en même temps, si ça ne te dérange pas. Voilà, je l'ai jeté au milieu. Allez, au premier qui l'attrape, qui prend le micro. Allez, 73 Rémi de Jimmy, voilà Stéphane, 14 km 33-19. Bon, moi je suis pas loin, hein. Donc bon, c'est normal que ça passe bien, voilà, là, du côté de Mérignac en Pouche. Ok, Santiago 8, eh ben tiens, pareil. Et là, ce week-end, là, je suis sur Bassins, pas loin du port autonome, pas loin de la flotte. Hein. Voilà, je suis de ce côté-ci, quoi. Ouais, ok, bien reçu. Bon, ben, ça va, hein, ça passe très bien, pas de problème. De mon côté non plus, voilà. Et puis j'attendais aussi très bien la station. J'ai pas eu le temps de noter le prénom aussi, qui était, je crois, du nord de la France. Bon, là, ça passait très très bien aussi de mon côté, voilà. Oui, bonjour monsieur, je sais plus, j'ai fait un tour sur moi-même et tu sais, le poisson rouge, quand il fait un tour du bocal, il a déjà oublié. Moi c'est pareil, j'ai oublié le QTH. Houille, voilà le nom du village où il est, c'est le village de Houille. Et Laurent pour le prénom, oui c'est ça. Oui, ça y est, ça m'en vient. Affirmatif, j'ai entendu tout à l'heure, effectivement. Ok, mais pas de problème, hein, ça passe très très bien, ouais. Très très bien. Il n'y a pas de problème, et là aujourd'hui, je pense que d'ailleurs, ça passe bien de tous les côtés. Ah, tu m'étonnes, et puis je profite que la Garonne n'est pas loin pour lancer des pierres dessus pour que ça fasse des ricochets, et là, je te dis pas les QSO qu'on se cogne. C'est que ça soit ce matin, de mon côté, ça n'a pas trop marché, là, du côté 19. J'ai entendu d'un peu partout, mais bon, c'était plus du bazar en FM avec les Allemands ou Pays de l'Est, je sais pas. Et puis là, tout à l'heure, je pense que ça devait être les Italiens qui étaient en train de camper dessus en BLU. Mais par contre, oui, du côté des SUP en BLU, là, ça a marché plein pour ce matin. D'ailleurs, j'ai une vidéo là qui est en cours, là, je ne sais pas quelle longueur elle va faire, encore celle-ci. Et tu verras, là, c'était... Waouh. La vache. Imagine, alors tu mets quelqu'un à un endroit, tu lui demandes de lancer un caillou d'un nid de guêpe. Et regarde le résultat. Eh bien, ce matin, sur les deux QSY que j'ai fait, ça a été ça, quoi. Mort de rire. Oui, c'est ça. c'était carrément ça, quoi. En plus, non, mais pour le coup de lancer une pierre sur un nid de guêpe, moi, ça m'a rappelé une connerie ton gamin. J'habitais à la campagne. Puis dans un arbre, je vois, ça devait être certainement soit un nid de guêpe ou un nid d'abeille, je sais pas trop. Hein. Puis quand t'es gamin, hein, les conneries, ça vient tout seul, il n'y a pas besoin d'aide. Qu'est-ce que je fais? Je prends un caillou, je lance le caillou dedans.
Ah, je te garantis qu'après j'ai appris à courir. Ah là, là j'étais bon pour les championnats du monde du course à pied. Ah, on apprend toujours plus de ses erreurs. Ah, tu m'étonnes. Ah, je suis trois coups. N'empêche que par la suite, ça m'a donné des envies de conneries pour, par rapport à certains qui, à l'époque, faisaient chier. Parce que les cons, ça a toujours été. Hein, ça se reproduit plus facilement ça, que les autres. Bon, je sais pas pourquoi. Mais bon, comment attraper un essaim d'abeille ou un truc comme ça sans se faire piquer? Alors du coup, j'ai laissé tomber l'idée. Ah mais il est clair que celle-là j'ai pu refaire. Et n'empêche que j'ai réussi à ne pas me faire piquer en attendant. Là j'ai fait très fort. C'est pour te dire que le gamin il était en forme ce jour-là. Salut la station, salut l'autre station que j'ai entendu également derrière. Plus la troisième que j'ai oubliée là tout à l'heure également, qui m'arrivait à CQRP. Voilà, de la part de Dandy 33, Rémi en mobile et au pro. Là, il faut que je me calme au niveau du pro parce que là, j'arrive plus là. Je bosse vraiment trop, j'arrive même plus à me mettre en fréquence, à prendre la module. C'est pas moi qui parle là, c'est un message enregistré là. Et voilà, et ça y est, c'est parti pour la cacophonie, c'est bon, c'est génial ça. J'adore. Attends, je vais essayer de faire une connerie. Alors, attends, voilà. Ok, alors, est-ce qu'il y a du monde sur le 19? Voilà, je suis en train de faire une petite vidéo là déjà avec la caméra et tout, là ça va être super, ça va donner là. Et là je viens d'allumer le téléphone, de lancer une petite vidéo avec le téléphone avec. Alors, là on va tenter quelque chose. Est-ce qu'il y a du monde sur le canal 19? Est-ce que vous êtes tous là sur le canal 19? Là ça a fait très fort, donc là avec le téléphone ça va être mis là tout à l'heure là sur les réseaux sociaux. Alors tous ceux qui disent qu'il y a pour les radios, ça marche, ça fonctionne, c'est super. Tous ceux qui disent qu'il n'y a personne sur le 19, et eh ben là ils vont voir qu'on vient de lancer un petit défi et ça a été énorme. Je dirais que là c'est je vais être très modeste, des milliards, des trillions, des triards de stations là en même temps qu'ont répondu là sur le 19. Ouais, la station Roger, sauf que j'ai une balise qui est passée en même temps. C'est une balise cyclique là sur le 19 qui est un petit peu casse-burette. Mais j'étais entendu la station. Là ça passe, c'est bon, il y a pas mal de bruit et tout ça, mais je t'entends très bien de mon côté, sur le nord-est de Bordeaux, c'est-à-dire sur Bassins en mobile. Ok, bah, je suis sur Torcé en Valais, dans la Raconte, pour la Normandie, le département 61, tu m'entends la station? Oui, les deux stations et également la Normandie, la 113-51 de la part de Dandy 33, opérateur Rémi, indicatif 14 kilomètres 3301, voilà, en mobile arrêté, car au pro, et au nord-est de Bordeaux, c'est-à-dire sur Bassins, pas très loin de la Garonne. Donc à côté, on va dire, du port autonome de Bassins, de ce côté-là. Les 73, mon ami, oui, 14 kilomètres, les 73. Les 73, mon ami Cédric de la Belgique, voilà, qui arrive comme un boulet de canon, là, ici, sur Bordeaux. Ouais, les 73,
Ah, tu m'étonnes. Allez, vas-y, fais-moi un petit speech avec la chambre d'écho. Ça va le faire. Ben, tu m'étonnes. Attends, je baisse un peu le volume parce qu'en là, je me suis cassé les tympans, je me suis tout cassé en même temps, même la corde vocale, même les cordes vocales. Ah non, ça, les cordes vocales, c'est pour parler, c'est pas pour entendre. C'est bon, là, ça passe vraiment bien là de mon côté, c'est vraiment super. Là, c'est parti, ben, comme ce matin en BLU, là, ça a été pareil. Hein, ça a été, chaque QSY a été dans une totale cacophonie, ça a été vraiment super, vraiment génial. On a bien rigolé. Oui, ben justement, je suis en train de... Attends, c'est pas arrêté. Non, c'est bon. Je suis en train d'en faire une également. Allez, pour changer d'habitude, je vais dire là une grosse vidéo. Parce que là, déjà ce matin, j'en ai fait déjà pas mal. Plus là, je rembraye en même temps là, en vidéo et tout. Là, ça va être super. Là, on va faire un truc béton. Et tous ceux qui disent encore qu'il n'y a plus personne de la CB, eh bien, venez écouter, vous ne serez pas déçus. Peut-être même carrément trop déçus de découvrir qu'il y a encore du monde là-dessus. En attendant, nous on s'amuse bien, on s'éclate, on en profite. On profite du moment présent et ça c'est tout simplement génial. Oui, le département 89, les 73 51 d'Indy 33 sur Bordeaux. Le département 61, les 73 51 d'Indy 33 sur Bordeaux. Nono, ah non, c'est qu'il y en a d'autres, Nono. Nono 61, ok, ça passe bien de mon côté, ça écrase un petit peu au niveau de la modulation, on n'en dira pas plus, j'ai compris, ah chut, t'as bien raison, c'est fait pour servir. C'est ça qui est bon. Ah chi, moi aussi, hein, je suis obligé de pousser un petit peu là de mon côté. Quoique, ah oui, je pousse un petit peu là quand même. Là, ouais, ça le fait quand même un peu. Bon, de toute façon, sur la boîte de miroir que j'ai derrière, j'ai un ventilateur au cul qui aspire toute l'air qui est à l'intérieur. Je vais dire une connerie, mais je me suis abstenu. On ne sait jamais. Et puis, y avoir des QRPP en écoute derrière, ça ne le ferait pas. Donc, qui aspire toute l'air chaud à l'intérieur pour la balancer dehors. Quoi. Voilà, le réchauffement de la planète, c'est à cause de moi, en gros. Ok, d'accord. Bon, bah, tu sais de quel côté la filière est tournée, en gros. Ah, je déconne. Quoique, j'ai jamais bien compris le fonctionnement d'une filière. Une filière, ça attrape les ondes qui retombent vers le sol. C'est bien ça. J'ai bien compris. C'est pas de la liaison directe, c'est les ondes qui retombent vers le sol. Je me trompe. Ah, pour récupérer, là, tu récupères. Là, c'est sûr. Vu le monde qui est sur le 19, je te garantis que là, ça récupère à donf. Ouais, affirmatif, ben, ça fait plaisir. Au moins, le 19, c'est pas mal. Ça fait plaisir parce que quand tu vois certains forêts,
y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a plus personne. Ben, faut qu'ils doublent les oreilles, tout ça, pour qu'ils se lèvent un petit peu. Et le 19, c'est pas mort, hein, et double 1455, et il y a toujours du monde, ce qu'il y a, ben, faut être capable de parler dans un micro, voilà. Voilà, et je rajouterai, il faut être capable aussi de descendre du côté des 40 canaux et ne pas rester 30 secondes dessus pour vite s'échapper au cas où il y aurait quelqu'un qui parlerait. Parce que il y a aussi peut-être un peu, je ne veux pas accuser quoi que ce soit, mais bon, dans certains messages, je suis bien d'accord avec toi. On se demande ce qui est du vrai ou du faux. Parce que bien sûr qu'il y a du monde sur les 40 canaux, bien sûr qu'il y a du monde sur le 19. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a du monde de ce côté-ci. Mais bon, certains partent du principe que les 40 canaux, il faut les ignorer. De toute façon, la CB, c'est uniquement qu'en sup. Il y en a plein qui sont effectivement persuadés de ça. Mais nous, mais qu'est-ce qu'on en a à cirer? Qu'est-ce qu'on en a à cirer? De toute façon, la CB, c'est partout, que ce soit dans les normaux, en sup, que ce soit en AM, en FM, en BLU. C'est, on fait pas de racisme ou quoi que ce soit, en racisme entre guillemets, on en a rien à cirer de tout ça. On profite du moment présent et dans le moment présent, on se met dans le mode adéquat et puis on y va à fond, la preuve. Merci. En plus, là, je suis en train de faire une vidéo. Donc, si dans la boîte, les gens pourront, c'est sûr, pourront voir, pour ceux qui accepteront de cliquer après sur la vidéo pour lancer la lecture, pourront voir qu'effectivement, il y a du monde. Oui, oui, c'est bien confirmé, il y a du monde. Comme il y a toujours eu du monde là-dessus, et comme on le constate à chaque fois que la propague est là. Ça tombe pas du Saint-Esprit, la propague est là pour justement montrer que ben, on est bien là. On est bien là en fréquence, tu as bien raison. Exactement, c'est fait pour cracher dedans. Il n'y a pas de souci, l'émotion 1351. Eh bien tiens, justement, j'en ai eu plusieurs qui m'ont dit que sur la région parisienne, la CB c'était mort, il n'y avait plus personne, mort de rire. Je suis passé il y a quand? C'est il y a un an ou deux ans? Ah non, il y a plus que ça. C'est vrai qu'il y a le Covid qui est passé par là. Ça a rallongé les années. quand je suis passé justement en région parisienne, j'ai pris le périph et tout pour redescendre vers Orléans. Voilà, c'était ça. J'arrivais du nord, j'arrivais de la Belgique. Et j'étais en voiture, je passais par là, j'étais en vacances. Et j'ai de suite trouvé du monde sur la région parisienne. J'ai fait même que ça, justement, papoter avec tout le monde en région parisienne. Oui aussi, oui. Alors aujourd'hui, je suis avantagé. Là, je le reconnais, je suis avantagé, même si je suis en push. C'est-à-dire que là, je suis là au nord-nord-est de Bordeaux, sur Bassins, et quasiment pas loin du port autonome de Bassins. Donc j'ai la Garonne, là, qui est à quoi, peut-être un petit kilomètre, là, derrière moi. Et oui, ça, je pense que ça doit m'avantager en même temps. Hein. Mais bon, de toute façon, c'est vrai que la propague, elle est là, hein. Ça, c'est indéniable. Directionnel, à mon avis, ça va pas être tout à fait identique parce que ben, les ondes vont partir dans tous les sens. Wow, là, ça envoie du steak. Ah oui, ça envoie du steak et je peux te dire que les ondes sont toutes passées dans mon poste. Ouais, les stations que c'est derrière, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui veulent parler avec le département 61, avec la Normandie, ben, il n'y a pas de problème, on passe sur le canal 20, comme ça on va laisser le 19 un peu tranquille. Sur le Loir-et-Cher, région centre, département 41.
Les 73 RV du département 41 de Dundee 33 sur le département 33. Et qui cartonne toujours, Rémi. Oh, toi aussi tu cartonnes toujours. Ça passe toujours à fond. Mais tu es l'un de ceux qui passent le plus fort. Pourtant, j'ai une petite station hachée. Hachée trois coups, moi c'est pareil. Hein. J'ai un poste, je suis même pas sûr qu'il y ait la M là sur mon poste. Les autres modes, on n'en parle même plus d'ailleurs. Non, l'impression que dans ma ville, tu passes bien. Enregistrer le Brico-Brico, les bus 73-51, là de Bordeaux, de la part de Dundee 33. L'autre station que j'ai entendue aussi, plus QRP, les 73-51 de Dundee 33, voilà sur le nord de Bordeaux. Ok, ouais, tout ça retourné la station. Oui, la Belgique, les 213-51 également retourné. Un coton, Rémi, mais le whisky là. Oh, le whisky, il est mis, mais j'ai pas trouvé de verre pour le verser dedans, donc tout a coulé par terre. Ok, si, Rémi. Ok, bah, ça c'est plus bien que content, hein, franchement. C'est pareil, j'étais en train de faire une vidéo. Hein. Je suis en train de la poster sur le groupe là. Oh putain, et puis Mac arrête pas de raconter des conneries, c'est pas grave, moi aussi je suis en train de faire une vidéo, là qui ira, que je m'occuperai soit ce soir, soit demain, là je sais pas, et tout est dedans, là je te garantis qu'on va s'éclater, hein. Là il y a du lourd dedans, il y a des dossiers, il y a du lourd, il y a de tout. Hein. C'est clair, il y a du lourd. Je t'entendais mieux tout à l'heure hein, quand même, hein. Ça a passé carton, là, c'est redescendu un peu de mon côté, hein. Mais bon, je t'entends quand même, hein, Rémi, hein. Y a pas de problème. Hein. Ah ben tu sais que moi j'aime bien me faire discret, je suis une toute petite station. Voilà, j'ai trouvé un TX, un petit 22 canaux FM, c'est tout ce que j'ai dans le push. Ouais, ah, on est en train de faire râler des étrangers. J'ai entendu QSY, les 73-51 à la station. Désolé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de propagation aujourd'hui. Donc on en profite, c'est vrai que tout le monde en profite pour s'envoyer le bonjour les uns les autres à travers la propague. Your clear and air beating the frequency there, the calling frequency, channel 19 on the Euros. You're clear, you're beating the 198. Je comprends rien du tout à ce qu'il dit. I am sorry, station, mais I no speak English, I just speak French. Yeah, I don't care if you speak French or not, but you're knocking the 19 frequency out, the calling frequency on the Euros. You're on AM. Could you give us why? Est-ce que quelqu'un peut traduire, s'il vous plaît, parce que j'ai rien compris. Oh, t'es passé en FM, non, on dirait. Waouh, là, il y a quelqu'un qui m'est arrivé comme un boulet de canon. Tu m'étonnes. La descension de 18, ça va être plus simple. Ok, allez, tout le monde déménage sur le 18, enfin du moins ceux qui ont envie, quoi. Ceux qui ont envie de changer d'adresse, qui en ont marre de leur QRA. Allez, on bascule sur le 18, hachi. Bon, ça va être plus simple, parce que là, on est en train de balayer tout le monde. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, c'est vrai. Hein. Ok, il n'y a pas de souci, on bascule. Attendez, en stand-by. Voilà, Dundee 33 avec le micro à la main. Ah, salut Dundee, qu'est-ce que ça fait plaisir de t'entendre. C'est un. Oui, quand les modes 73-51, quand de suite. Oui, t'as vu, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas copié en fréquence, c'est génial. C'est génial, on se retrouve comme ça, ça fait combien de secondes. Alors tellement que ça fait tellement longtemps que je m'en souviens même plus, quoi. 73 envoyé là. J'ai un actif Dundee, ben franchement ça fait plaisir, je te suis sur les forums évidemment. Ici c'est 14 Farno 3093 l'opérateur Fabrice, le QRV local Nono 61, donc QTH département 61, un petit village qui s'appelle Crulet Breton Dundee. Oui, ok, merci.
merci. Mais justement, là, j'ai une vidéo là, qui est en cours. Celle-ci va faire 3 km de long, je le sens bien. Les 73 également, la station de la part de Dandy 33 que j'ai entendu en même temps en parallèle. Voilà, je suis actuellement en mobile sur le nord-est de Bordeaux, là, sur Bassins, très précisément, pas loin des quais de Bassins. Donc là, je suis un peu avantagé quand même de ce côté-ci. Quoi. Alors, je dois être peut-être à 800 mètres, un petit kilomètre là, de la Garonne. Donc là, oui, ça aide un petit peu quand même. Voilà, affirmatif d'Andy. Mon ami Rémi, ça fait plaisir de t'entendre. Franchement, pour moi, qui suis sur les forums de la CBI francophone, bah, ça fait plaisir. Bah, ici, tu arrives avec du 59-59-30 sans problème. 1h05, bah, je suis comme toi, je fais une petite vidéo parce que c'est tellement un plaisir de t'entendre. Depuis le temps qu'on essaye, bah, là, on réussit. Donc, franchement, ça me va droit au cœur de t'avoir toi directement. Retour, Rémi. Ah ben merci. Au début, toi, j'ai pris ça dans la blagounette. Je me suis dit, tu es en train de blaguer, je te suis à 200%. Hachi, ben merci beaucoup. Là, pour le coup, c'est moi qui ai un petit peu ému. Hachi. Bon, c'est pareil, de mon côté, comme j'ai tout à l'heure. Là, j'ai une vidéo là, qui est en train de courir. Je la relance plusieurs fois même, puisque le genre de caméra que j'ai, là, c'est une caméra appareil photo, là, un petit Nikon. Et le truc qui se passe là-dessus par rapport à un téléphone, c'est qu'au bout de 29 minutes, le truc il se coupe tout seul. Alors je suis sans arrêt en train de surveiller le compte à rebours pour pouvoir relancer à nouveau. Donc là, depuis ce matin, je ne sais pas combien de fois j'ai relancé. Heureusement qu'au QRA, depuis peu, je suis passé à la fibre. Parce que là, pour le coup, je crois que la vidéo, une fois montée et tout, fait tous mes trucs dessus et tout. Il aurait fallu toute une nuit pour pouvoir la charger sur YouTube. Mais bon, là, avec la fibre, c'est bon, ça, c'est une histoire de peut-être d'une minute et encore. Oui, et encore, puisque dernièrement, là, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis abonné aux vidéos d'une heure. Je ne le fais pas exprès, c'est un pur hasard. Et depuis que je suis passé à la fibre, au lieu de passer de plusieurs heures de téléchargement, je suis passé, allez, le dernier coup, ça m'a mis quoi, 15 secondes. J'ai halluciné. Je me suis dit, là, ça va trop vite, c'est pas bien ça. Va falloir couper le fil parce que ça va trop vite. Ouais, affirmatif, sans problème. Bah oui, tu m'étonnes, la fibre, c'est le top, hein. C'est ce qu'il y a de mieux. Nous, le petit village, on va bientôt s'équiper, ils sont en train de tirer toutes les lignes, enfin, de remettre des raccords et tout, donc après, on va avoir la fibre, on va pouvoir cartonner à fond. Mais là, je parle pas, moi. Pour un tout petit village, bah, de 800 habitants, on tourne quand même à une moyenne de 30 mégas, ce qui est énorme par rapport à certaines villes et certains villages, donc on n'a pas à se plaindre. Bon, je fais une petite vidéo aussi, Rémi, avec ta permission, hein. Évidemment, si tu me dis de les effacer, je les efface. Et je la mettrai sur la CBI francophone parce que franchement, ça fait tellement plaisir de t'entendre depuis le temps que je te suis sur les réseaux. Et malheureusement, jamais la propagation m'a permis de t'avoir. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais pas sûr, mais il me semble bien avoir reconnu ta voix. J'ai dit tant pis, je lance un appel avec un décrochement sur 18, on verra bien si Rémi suit. Et oui, j'en ai tout t'as suivi, donc franchement, ça fait vraiment plaisir. J'espère que tout va bien chez toi et dans le QRA familial, que ton petit schtroumpf va toujours aussi bien, et puis ton réveil, j'adore. J'adore ton réveil, il est génial. Retour, Rémi. Ah, t'as vu ça, là, voilà, je te le remets pour le plaisir. Voilà, ça sera le petit clin d'œil de cette vidéo, voilà. Là, puisque là, je suis en QSO avec toi, là, tu vas pouvoir le voir directement, là, sa tronche, là, sur la vidéo que je suis en train de faire. Ah oui, tiens, au montage, j'ai pas intérêt à me planter dans ce que je vais faire. Oui, je t'explique. Là, bon, je suis en mobile, bon, comme tu le sais, au fait, il n'y a pas de souci pour la vidéo, bien entendu, c'est notre seul moyen pour démontrer qu'il y a du monde et comment ça se passe, pour montrer que c'est la bonne humeur avant tout qui prime là-dessus, et puis voilà quoi, à la différence, là c'est un petit clin d'œil, à la différence de certains réseaux sociaux sur internet, où là plutôt ça sera celui-là qui sera le plus grognon qui aura raison. Alors là, non mais évidemment tiens, que tu peux faire des vidéos, que tu peux me filmer, bien au contraire, si ça peut motiver encore plus de gens à venir à la CBI, alors là c'est, tu peux en faire des milliers comme ça. Tiens, à propos de ça, je suis à combien moi, je dois être à, je sais plus, faut que je regarde, de 1030 ou 1040, un truc comme ça sur YouTube, je me souviens plus, c'est peut-être dans cette fourchette là quoi.
Pardon, je m'étrangle en même temps. Là, c'est déjà plus QRP de mon côté. Les bonnes sont très simples, mais ça passait quand même. Hein. Oui, j'ai entendu l'autre station derrière. Ben, c'est pas grave. Là, qui s'amuse. Nous aussi, on s'amuse, donc je vois pas où est le problème. Il me dérange pas plus que ça. Il me nettoie les QRM. Voilà ce qu'il me fait. Merci à lui. Les bonnes sont 1351 à toi. Merci pour ce QSO. Et à très vite, mais forcément via internet avec les vidéos. Et sinon avec la propague. Voilà, merci, à plus. Ok, merci, bye. Il y avait d'autres stations qui lançaient appel en avant. Bon, ok, la fréquence s'est nettoyée toute seule. Eh bien, pour les bonnes sur 1351, aux éventuels écouteurs, et bien, amusez-vous de votre côté. Bonne écoute également. De pouvoir en profiter sur la fréquence des kilomètres. Alors je suis en train en même temps de poster une vidéo sur les réseaux sociaux. Alors comme je suis pas multitâche, hachi, j'essaie tant bien que mal, c'est bon, ça part de ce côté là. Je suis comment, c'est bon. CQ DX, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde. Ah, zut. CQ DX, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, département de la Gironde, QTH Bordeaux-Bassins. Bon, je suis moustaché. CQDX, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Bordeaux-Bassins. Ah, la propax serait retombée d'un coup. Oh! Ah ben voilà, si on ne les entend pas. Ah si. Ah il est 14h40. À quelle heure ils mangent là-bas? Ah c'est peut-être. Ils sont peut-être tous partis au casse-croûte. Si les Italiens sont à l'heure espagnole, c'est. Ah oh, je sais plus comment. Je sais plus. Pas grave, on s'en fout.
Ah zut, on l'entend pas. Dommage. Break. Tant pis. Oui, moi 40 minutes de CSR, ça fait en tant que marin, c'est prisé ça, les 40 minutes de sieste après le repas. Là le repas il était très tard. Il y a eu du monde à la maison, alors on a mangé très tard. Mais c'est sûr que la sieste de 40 minutes, maxi, ça fait du beau moqueur. Et profitez-en bien, à bientôt. Salut, salut à tous. Oui, bon, enfin, le seul plus vieux de la bande, il fait jamais la sieste, quoi. Bon, enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Au revoir à tous. Mais il faut. Non, tu te bouges. Ok. Vous êtes comme moi, vous entendez personne. Hein? Ok, on tente. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui vous propose un QSY sur le 27-515. 27-515, c'est parti pour moi. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, QTH Bordeaux-Bassins. Ah! Oscar Charlie Bravo, il y a un souci dans la modulation, ça demande à passer correctement, bien fort, mais il y a quelque chose qui déconne, ça donne des à-coups, voilà, je cherchais comment expliquer, ça donne des à-coups dans la modulation, il y a quelque chose qui merdouille. Ah la vache, j'arrive pas à comprendre ce que tu as dit. Et ça donne des à-coups. C'est curieux. Je vois pas trop ce qui peut déclencher ça. Ce genre de truc, j'ai jamais vu ça. Quoi. Dès que tu prends le micro, paf, ça fait comme. Je sais pas. C'est bizarre. Comme des à-coups, je sais pas. J'arrive pas à expliquer.
Ça apparaît du moment, au moment pile où tu prends le micro, et ça stoppe pile poil au moment où tu relâches. Je soupçonnais l'éventualité d'une porteuse derrière, mais non, une porteuse ne pourrait pas être aussi synchro, c'est pas possible. Ok, bah oui, le seul truc qu'il y a, c'est que moi, quand ma maman m'a créé, il y a plein de choses qui étaient en option qu'elle n'a pas voulu prendre. Déjà, le décodeur, elle ne me l'a pas mis. Les barrettes de mémoire supplémentaires, elle ne me les a pas mis non plus. Ce qui fait que du coup, aujourd'hui, je suis un peu dans le caca. Quoique, non, je me suis bien essuyé ce matin, ça va très bien. Mais pourquoi tu me cherches comme ça à la station? Je pars de suite dans la connerie. C'est pas possible, ça. Ça peut pas le faire. On est en DX. En DX, on doit être sérieux, on doit pas plaisanter. Les 73 de la station qui vient d'arriver de la part de 14 km. 33-01, Rémi, Dundee 33 en push arrêté au pro sur Bordeaux-Bassins. Pas loin des quais de Bassins d'ailleurs. Je sais bien que tu m'avais reconnu, sur le coup je t'avais pas reconnu, mais de la façon dont tu es arrivé, dont tu as commencé à parler, j'étais sûr et certain que c'était quelqu'un qui me connaissait. Et c'est pour ça que j'ai de suite tutoyé, parce que je le savais, je l'ai senti de suite qu'on se connaissait déjà. Ah chi ! Sauf que là ça fait un moment que je crois qu'on s'était pas copié. Ok, j'ai compris. Oui, un ampli qui serait resté basculé en AM. Et là, forcément, ça relâche de suite. Oui, ça peut être possible aussi. Oui, effectivement. Alors que c'est pas pour rien qu'il faut le basculer en BLU pour enclencher le retardateur, justement, qu'il y a dedans, pour pas que ça fasse cet effet-là. Ok. Et... Ah, t'appelles ça du bordel? J'appelle ça du bonheur. Voilà, tout à l'heure, ce matin, ça a été l'éclat total. Surtout aussi bien, enfin oui, pas mal en BLU, hein. Là ça a été du caviar. Et tout à l'heure, là, du côté des 40 canaux, entre autres sur le 19, alors là, ça a été génial. Et je me suis amusé à un petit jeu, à lancer l'appel, à demander à tout le monde, est-ce qu'il y a du monde sur le 19? Est-ce que vous êtes tous là sur le 19? Alors là, j'ai fait une petite vidéo avec mon téléphone que j'ai mis là sur les réseaux sociaux. C'est parti, mais dans une cacophonie totale. Ça a été au-delà de ce que je pouvais imaginer dans le nombre de stations qu'a repris en même temps, car c'était ça le jeu. C'est que tout le monde reprenne en même temps, que ça soit un truc de dingue. Et juste pour l'éclate du sur le moment présent, quoi. Bon, après on a fait QSY, qu'on est passé sur le canal 18, hein. Mais là ça a été génial, justement là, à ce moment là de voir le peuple qui peut y avoir quand même sur la CB et sur le 19 entre autres, hein. Alors que beaucoup disent qu'il n'y a plus personne sur la CB, ce qui est faux. On se rend de suite compte dès que la propague est là, et idem en supérieur. Ok, merci pour ce petit passage, les bonnes 73, et à la prochaine sur les ondes. Ah ben c'est le jour et la nuit, donc c'était pas le on supposait l'éventualité, ouais, les 73 de la station, à la prochaine en QSO, à la prochaine là-dessus. Ah ben oui, toi là, on supposait l'éventualité d'un ampli qui était resté en position AM éventuellement. Enfin, c'est plutôt moi qui supposais la position AM. La station qui était là juste avant supposait un souci du côté de l'ampli. Et c'est vrai que ça pouvait être ça.
Mais là, t'as changé de micro et là, c'est Royal. Oui, j'ai changé de micro. Mon micro sortit apparemment. Je crois que la pile, elle est en cesse. Voilà. Donc, voilà, j'ai passé sur un vieux micro qu'il va falloir que je refasse les soudures aussi parce que lui aussi, il a l'âge de ses artères. Et puis, je crois que j'ai une petite soudure sèche. Donc, suivant le micro, suivant comment je le positionne, il fonctionne pas. Voilà. Donc, là, je pense que ça doit fonctionner. Ah oui, je confirme. Et de mon côté, ça passe aussi. C'est dans la boîte, comme qui dirait l'autre. Oui. C'est d'après ce que j'ai vu. Bon, au niveau Santiago, c'est du 5. Il n'y a pas de souci. Et là, c'est une bonne radio de 4. Là, oui. Ça marche. Effectivement, ça trouve. C'est la pile tout bonnement qui est HS sur notre micro. C'est vrai que de temps en temps, il m'arrive de brancher un micro à pile. Mais je sais pas pourquoi, très rapidement j'en reviens au micro d'origine. C'est sur le DK par contre, effectivement, le DK quand je suis en Alpha Mic, j'aime bien avoir le micro à pile car effectivement ça donne plus de jus. Parce que bon, c'est vrai qu'un DK en AM, il le fait très bien la M, hein, c'est pas un problème, mais c'est pas son terrain de jeu préféré, donc la modulation est plus faible, est nettement plus faible qu'un poste décibi. Donc il a besoin d'un coup de pouce derrière pour pouvoir donner un peu plus, pour ça y un peu mieux. Mais après sur les postes CB ou alors poste 28 mégas débridé, comme Lincoln RCI, CRT 7009 et ainsi de suite, hein, je suis plus vers les micros d'origine. Voilà, j'ai monté un petit peu le micro guerre. Voilà, étant donné qu'avec le micro de table, je baisse un peu le micro guerre. Donc, je pense que j'ai dû remonter C'est du 5. Au niveau du 10. Oui, tu t'es passé du 45 à du 55. Vache. Je suis retombé sur mes pattes là, au niveau de l'investissement. Je crois que la pile a été amortie là. Oh, c'est la première fois que j'entends ça. Quoi. Ah oui. Je suis pas sûr qu'avec moi, qui est plutôt du genre grande gueule au micro, à avoir du mal à relâcher le micro. Que la pile aurait duré aussi longtemps. Bon, on se refait pas, hein, on se connaît en même temps, hein, on sait comment on est. Mais là, 15 ans, j'ai jamais vu ça. Hein. Ah oui, mais t'as une pile qui dure aussi longtemps, ça peut pas être une pile d'un volt 5 ni une pile de 9 volts. Ça doit être une pile de 12 volts ou 6 volts ou quelque chose comme ça, une pile bien, bien spécifique, je me trompe? Ok, d'accord. Eh bien, bravo à la qualité, parce qu'effectivement, elle est au rendez-vous. Bon, ce coup-ci que je t'entends très bien. Alors, RE7351, voilà, 14 km 3301, Rémi, Dandy 33 en mobile, au Pro, par la même occasion. Voilà, au nord-est de Bordeaux, plus précisément sur Bassins, et pas loin à côté des quais de Bassins. Voilà exactement où je suis. Et pour les conditions de trafic, eh bien là, dans le push, c'est le Lincoln 2+, avec antenne Wilson 5000, plus ce que j'appelle ma petite boîte de mirror entre, pour donner un petit peu la main, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit en même temps. Affirmatif, ouais, mais moi, le UPCH, je suis parapluie, voilà, comme d'habitude, voilà. Je ne l'avais pas reconnu. Voilà, moi je trafique avec les silex, voilà,
Non, mais j'hallucine. Et je t'avais pas reconnu en plus. Tu m'étonnes. Avec la gueule du micro de tout à l'heure, je risquais pas de te reconnaître. Non, mais je rêve. Non, mais j'hallucine. Oh là là. Va vraiment falloir que je me fasse greffer des barrettes de mémoire en plus. Parce que oh là, ça déconne plein, tu vois. Ouais, le sifflet enregistré. C'est vrai que depuis hier, j'ai tourné viré dans le lit. Donc oui, j'ai fait le tour du bocal, autrement dit. Et whoop. Ok, en avant le break. J'allais dire le grec. Non mais n'importe quoi, ça le fait pas là. En avant le break. Bon, ok. Visiblement, le fait de lui avoir dit que j'avais entendu son coup de sifflet, ça y a suffi. Il a vu que sa station fonctionnait, donc ok, bon, bah, pas de problème. S'il le voit comme ça, mais pourquoi pas. Moi, ça me dérangera pas plus de toute façon. Exactement. Putain, hey, tout à l'heure, t'aurais été sur le 19, t'aurais halluciné. Si t'as raté ça, alors là, t'as vraiment raté quelque chose. Mais à chaque fois sur les bons plans, et à chaque fois, je suis pas là. Ah, voilà. Je vais finir par déprimer, quoi. Ok, pour t'aider un peu plus à déprimer, tu verras sur Facebook, ça, j'ai fait une vidéo. Alors là, je te garantis que tu vas être sacrément motivé pour aller la voir. J'ai lancé un défi. Le défi de est-ce qu'il y a du monde sur le canal 19 ? Je te laisse découvrir le truc. Tu verras. Le défi a été plus que relevé. Eh bien, je peux te confirmer que là, tout à l'heure, ils ont tous appuyé sur le micro. Tous. Ils étaient tous là au rendez-vous. Et il y a eu plein de vidéos de partout là qui se sont répandues dans la foulée sur les réseaux sociaux. C'est parti de tous les côtés. Tout le monde a répondu. Tout le monde a joué le jeu. Bah si t'as lancé l'appel par la poste, bah tu m'étonnes. Ils sont pas pressés eux, hein. Et puis en plus là, vu qu'on est dimanche, ils travaillent pas le dimanche. Non, plus sérieusement, c'est vrai que tout à l'heure, la vache, je m'attendais à une réaction, mais là quand même, c'est vraiment arrivé de tous les côtés. Hein. C'est arrivé des départements français, déjà pour commencer. C'est arrivé de la Belgique. Je crois qu'il y a aussi l'Italie qui s'est joint à ça. C'est arrivé de partout. Ça a été un bouhaha, une cacophonie, une ratatouille complète. Ah ouais, là c'est hallucinant le monde qu'il y a eu là tout à l'heure sur le 19. Justement, le but était que tout le monde réponde en même temps. Et je peux te dire qu'ils ont largement joué le jeu. Tout le monde a repris le micro en même temps et s'est signalé en fréquence, a répondu présent et ainsi de suite. Oui, tu verras, je sais plus quelle heure, alors attends, que j'aille, je vais essayer de faire deux choses en même temps, je sais que ça ne me réussit pas, alors, toi déjà je commence à parler moins vite, ça commence déjà à freiner du côté du bagou, alors que j'aille
que j'aille, je suis en train de remonter là. Putain, mais ça a posté. Oui, c'est moi. Oui, ben là encore, c'est moi. Ok, alors. Voilà. Est-ce qu'il y a du 14h15. Attends. Je suis en train de faire une petite vidéo là déjà avec la caméra et tout. Là, ça va être super, ça va donner là. Et là, je viens d'allumer le téléphone, de lancer une petite vidéo avec le téléphone avec. Alors, on va tenter quelque chose. Est-ce qu'il y a du monde sur le canal 19? Est-ce que vous êtes tous là sur le canal 19? Je te laisse écouter la suite de la vidéo pour voir la réaction. Ah bah tu m'étonnes. Là, oui, je te laisse. Attends, où je suis parti? Ah non, je suis au bon endroit, n'importe quoi, c'est moi qui déconne. Je vois afficher canal 9. Mais si putain, qu'est-ce que je déconne? Oui, quand tu vas voir comment c'est parti sur la vidéo, c'est extraordinaire. Bien sûr. Puis de toute façon, je sais pas, moi ça me paraît logique que pour faire du local, eh bien, c'est du côté déjà des 40 canaux. Ah oui, la vidéo, voilà, c'est 14h15, je mets comme ça, et il y a du monde à fond sur le canal 19. Yes, tu verras, là c'est 14h15 c'est comme ça que j'ai commencé le message que j'ai mis là, qui accompagne la vidéo. Tu verras, tu repères à 14h15, il y a à fond du monde, il y a du monde à fond sur le canal 19, tu verras, tu vas être surpris. Je sais à quoi tu vas te remettre en premier. Allez voir cette vidéo, l'ami, sur le groupe là de suite avant d'attaquer quoi que ce soit. J'en suis sûr et certain. Génial, yes, c'est réussi. Ça, c'est fait. Ok, je vais t'envoyer les bonnes adresses 51. Daniel, il est au pro aussi. Hein. Il est de l'autre côté là-bas, à l'autre bout par rapport à moi. Ok, je t'envoie les bonnes adresses 51. Merci pour ce petit QSO. Et oublie pas de changer la pile de micro. Et je te dis à la prochaine. Alors attends, vite fait, demain je suis au repos. Après-demain. Ça va être un petit peu compliqué. Je suis en 18h-22h sur un truc un peu spécial. Donc 18h-22 ou 18h-23, je sais plus. Bon, bref, peu importe. Après-demain. Ouais, là je débaucherai à 17h, donc je serai quelque part par là sur la route. Je débaucherai de Mérignac, donc oui, suivant le sens du vent, je serai, je sais pas où en fréquence, mais quelque part, ça c'est sûr. Allez, 73 à toi, amuse-toi bien, à plus. Ok, il n'y a pas de souci. Enfin, moi je suis. Ben c'est moi qui te remercie d'avoir répondu, parce que c'est vrai que c'est moi qui lance le QSY. Ok, merci, à plus, bye.
Ciao. Bon ben voilà, ça c'est fait. Ouais, break en avant, les bottes 73. Oui, on a mis en place le gros 73. Je sais pas, il y a eu, j'ai pas eu le temps de clarifier, ou alors il y a un petit souci de modulation, je sais pas. J'ai pas le temps de clarifier. Retour à la station avec les bottes 73 de 14 km 3301 Rémi en mobile sur, sur Bordeaux. Oh, là, j'ai entendu quelqu'un passer très très QRP. Je sais pas si c'est toujours, toujours vous que j'ai entendu. Bon, ça passe plus de mon côté, dommage. Ça, ça arrive de l'étranger. Ah, je n'entends pas les Italiens derrière, mais on va tenter le coup. Bon, c'est pas gagné, mais qui tente rien n'a rien. Des fois, qui tente n'a rien non plus. Et ça risque d'être ça. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde, en mobile. Bon, la propague n'est pas du tout du côté Québec. C'est de ce côté-là que j'ai tendu une oreille, car ils ont une fréquence habituelle ici. Ils ont une autre fréquence habituelle sur le canal 20, sur les 40 canaux, mais là, c'est peut-être pas gagné. Eh bien, on va voir ça. J'entends l'étranger derrière. C'est 115, toujours calme. Ok. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur ami qui lance appel en mobile et qui vous propose un QSY sur le 27 515. 27 515. C'est parti pour moi. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest France, département de la Gironde, QTH Bordeaux-Bassins. Tu sais, moi je suis pas raciste, moi. Au niveau des modes, je suis partout. Je me mets en fonction du moment. Voilà, c'est très précisément ça. Tout à l'heure, il y avait énormément de monde sur le 19. Et puis, paf, d'un seul coup, de ce côté-là, la propague a tourné. Je suis passé du côté de la BLU pour voir ce que ça donnait. Je sors d'un QSO justement là, avant de relancer appel sur le 555, tac, et puis voilà. Et puis ça se trouve tout à l'heure, si la propague est réunie du côté du 19, et bien, je serai à nouveau sur le 19. Ouais, affirmatif, ben, je l'ai entendu le QSO, j'ai fait le tour et puis je suis tombé dessus, donc j'ai fait un peu d'écoute, c'est pour ça après que je t'ai reçu, voilà. Oui, il n'y a pas de problème, ouais, sur le 19, ça y est, c'est beaucoup plus calme, ouais. À part la balise là toujours qui emmerde le monde, on va dire, ouais, je sais pas ce que c'est ça, mais c'est vraiment pénible, hein, c'est vraiment vraiment pénible. Je sais pas toi, mais moi en plus ça m'arrive, mais avec un ciel de 7 ou 8 par moment, c'est vraiment horrible, ouais. Ah mais je pense que t'as dit le mot juste.
puisque si tu regardes sur Facebook les vidéos des copains qui sont qui ont fait aussi leurs vidéos sur le 19, qui sont un peu partout là en France, eh bien ils l'ont aussi cette balise. Hein. On n'a pas l'exclusivité, eux aussi ils l'ont hachis. Ben, déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la CB, de toute façon, comme de plus en plus de bandes radio amateurs, sont en bande partagée. Nous, de toute façon, ça a toujours été ainsi. On a toujours été en bande partagée. Donc, ben, effectivement, il y a certaines fréquences qui sont un peu plus polluées que d'autres. C'est, on fait avec. Et c'est pour ça qu'on nous laisse jouer dans notre, entre guillemets, cour de récréation. C'est parce que cette bande-là, elle est tellement partagée que pour des trucs beaucoup plus sérieux, c'est inexploitable. Donc on nous laisse sur Mumuse, justement sur le 27 mégas, et tant mieux pour nous. Ouais, affirmatif, ouais, vu comme ça, c'est vrai que bon, ça peut avoir un avantage, mais bon, c'est vrai que des fois c'est compliqué, voilà. C'est vrai que quand t'as la chance de pouvoir avoir un contact avec un OM qui est assez loin et que la balise te prend le dessus, c'est rageant parfois, c'est rageant, mais bon, ça tient compagnie par contre quand c'est un peu plus calme, voilà, donc bon, faut le prendre du bon côté. Ouais, ben de toute façon, je vais te dire franchement, pour ma part, je vais passer autrement. Hein. Et tout à l'heure, sur le 19, tu l'as vu, hein, tu m'as pas entendu. Si, de temps en temps, tu m'as entendu dire, ah, il y a une balise qui est passée et tout. Mais pas le moindre coup de gueule ou quoi que ce soit de ma part, ça sert à rien. Quoi. Ça sert à rien, on ne donnera pas une prime à la fin de l'année pour avoir râlé un peu plus que les autres. Ouais, quand j'ai relâché le micro, j'ai entendu aussi quelque chose derrière. Ouais, là, je sais pas si c'est une station qui a breaké ou alors un QSO qui est très lointain. Si c'est un break, en avant la station. Oh là, Christian, je te le repasse, puisque les 73-51 la station, 14 km 3301, QTH Bordeaux, voilà à quoi se limite mon anglais. Je te laisse le micro, Christian, parce que là, j'ai entrave que dalle. Zut, c'est pas Christian, je vous appelle le prénom. Stéphane, oh merde, pardon. Oui, mais moi ça va être à peu près la même chose, donc bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, on va voir hein, si la station est toujours là ou pas. J'ai été désolé, pourquoi j'ai dit Christian? Non, Stéphane, oui, effectivement. Non, il n'y a pas de problème, pas de problème. Bon, visiblement, il est parti, c'est la meilleure chose qu'il y a à faire. Ça va être un petit peu compliqué. Non, il est là. Bon, ça, il n'y a pas de soucis. C'est vrai que c'est un peu chiant pour en venir là, à ces balises là, mais bon, il faut faire avec. Donc, mais bon, on les a quand même en AM beaucoup, et après sur la FM, je les entends très très peu, et en UST encore moins. Donc bon, c'est quand même relativement. Ça reste du coup assez acceptable. Ok, la station est revenue avec un temps de retard. Tiens, il est là. Oui, mais je sais pas ce qu'on va pouvoir lui raconter de beau, quoi. C'est tout le problème. Ben, je suis en train de me demander si des fois il serait pas un QSO de son côté. C'est possible. Hein. Effectivement que c'est ça. Mais bon, après peut-être qu'on peut se tromper. Bon, dans ce cas-là, c'est que ça passe, c'est que ça
Tu m'étonnes. Non, c'est sûr que je pense que là, vu la langue, ça devait être le nord de l'Europe, peut-être l'Angleterre, je sais pas. Je sais pas trop. Mais en tout cas, là, sur toute la journée, on a entendu de tous les côtés. Hein. Je crois que j'ai entendu la Hollande, bon, l'Angleterre, là, tout à l'heure. Bon, ben, évidemment, l'Italie, l'Espagne, je sais plus. Si, peut-être. Tiens, on n'a pas entendu El Comandante. Ah tiens, c'est étonnant, ça. Ou alors, on n'était pas là au bon moment. même si, ouais, du côté des 40 canaux, c'est pareil. Hein, ça arrivait aussi de tous les côtés. Hein. Alors, c'est là où, petit clin d'œil, c'est là où que certains disent que la M, c'est que pour les QSO locaux. Bah, pas forcément. Pas forcément. Ça peut arriver de très, très loin aussi. Puisque sur le précédent cycle de Propag, tous les jours sur le canal 6, par exemple, on entendait les USA. Et pour passer, ça passait. Hein. Oula. Et là, ces derniers jours, on entendait sur le 19 aussi la nana qui est au PC des taxis russes. Voilà, de ce côté-là. Voilà, donc ça arrive de très loin, même en AM. Ouais, j'entends, il y a un QSO lointain derrière. Je suis un peu parasité de mon côté, je suis sur la rocade, je suis en bas de l'antenne de Bouillac, donc il y a pas mal de QRM, hein, voilà, donc j'ai pas eu de QRM depuis le dernier passage, en fait, pas du tout du moins. Donc voilà, je pense que ça m'a allé mieux quand je serais sorti un petit peu de ce secteur, mais c'est assez parasité dans le coin, on va dire. Ok, je regarde l'heure. Non, c'est bon. J'étais en train de me dire, est-ce que des fois, j'aurais pas fait une connerie, moi. Non, c'est bon. Est-ce qu'à 15h... Ah oui, j'ai téléphoné à 15h, c'est bon. Non, c'est toutes les 2 heures, je dois téléphoner. J'étais en train de calculer, là. Je me suis fait une petite frayeur sur le coup. Je me suis dit, putain, vite, le téléphone. Non, c'est bon. C'est à 17h que je dois rappeler. Ok, ouais, non, mais c'est pas grave. Je disais, tout au long de la journée, c'est vrai qu'au niveau Propag, là, on a entendu de partout, que ce soit aussi bien en BMU qu'en AM. Oui, tout à fait, oui, j'ai l'occasion, ouais. Ce matin, pas trop, parce que j'avais d'autres occupations, mais effectivement, après, quand j'ai branché le poste, j'ai eu la même sensation, donc ça me rassure, voilà, c'était pas qu'une sensation. C'est vrai que c'était très plaisant, on va dire, on a eu un bon passage, là, bon, après, ça peut peut-être revenir dans la forêt, là, pour l'instant. A priori, c'est un peu plus calme, mais bon, d'une minute à l'autre, ça peut changer. Oui, parce que là, il y a un QSO lointain, là, derrière, là, en ce moment même. Ouais, c'est... voir des fois, d'un seul coup, là, pendant quelques secondes, t'as plus rien, t'as plus un appel, t'as plus rien. Et puis, paf, ça repart aussi sec. c'est curieux. Et là, oui, ça fait un petit peu... là, ça part un petit peu plus dans du sporadique, on dirait. Quoique je dis ça, mais il suffit qu'on remonte, là, sur le 555 pour que ça repasse à nouveau correctement. Peut-être aussi le 19. Bah tiens, dès qu'on aura décidé l'un comme l'autre de passer en QRT, bah, j'irai vite faire un petit tour comme ça, tac, et puis je crois qu'après je vais quand même me faire une pause. Parce que je sens bien que j'ai les cordes vocales qui commencent à partir. c'est à mon avis, j'ai dû un peu trop m'exprimer au micro pour pas dire autre chose. Enregistré. Si pareil, en stand-by sur le 185, voilà, tant que je suis encore un petit peu sur la rocade. Et puis voilà, après quand je vais commencer à m'éloigner dans la campagne, il y aura moins de chances de faire des contacts, donc voilà, ce sera un petit peu plus difficile. Donc bah, écoute, pas de soucis. Bonjour, de Denis Paris, Florida, mais Denis Paris. Ils vont faire enregistré le break. Et puis bien prudent, il n'y a pas de soucis.
Tiens, tu vois, justement, on parlait de la propa qui faisait yo-yo. Alors, nous avons là un break de Paris, là, qui est sur le QSO. Pardon, je suis en train de m'étrangler en même temps. Donc, avec ta permission, je fais rentrer le break. En avant, le break de Paris, avec les bandes 73-51 de 14, kilomètres 33-01, opérateur Rémi, en mobile arrêté au pro sur Bordeaux-Bassins. Waouh! Ah oui, ça le fait. Les 73-51, vous retournez. Oui, affirmatif, c'est bien Rémi. QRZ local sur la Gironde, Dandy 33, donc c'est bien ça. Indicatif 14 km 33-01, voilà, c'est ça. En mobile arrêté, actuellement au nord-nord-est de Bordeaux, là sur Bassins. Bon, c'est, on va dire, banlieue de Paris. Et je suis en compagnie de Stéphane qui est également en mobile, comme quoi il y a du monde en mobile. Je lui fais un retour de micro, lui il est sur la rocade de Bordeaux, plutôt côté sud, sud-sud-est de ce côté-là de Bordeaux. Retour à toi Stéphane. Ok, ça marche, merci pour le retour, on est à peu près le 51, hein. Ça passe très bien pour moi aussi, voilà. De mon côté en réception du moins, j'espère que ce sera la même chose. Merci pour le retour de micro. Et c'est vrai que là, depuis quelques semaines, j'allais dire depuis plusieurs jours, on peut même dire plusieurs semaines, là on se régale, on se fait plaisir avec la propag. Que ce soit en fax mic, en alpha mic ou même en SSB, ça c'est tout simplement que du bonheur, que du bonheur dans tous les modes. C'est vrai que là on se régale vraiment, on se fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir de retrouver là enfin là, un nouveau cycle de propag. Si je me trompe pas, c'est le 25e, je sais plus lequel au niveau cycle de propag. J'ai oublié. Mais là, de toute façon, vu dans le sens où on est, ça peut faire que crescendo pour les semaines, les mois à venir. Donc là, je pense pas me tromper beaucoup en disant que d'ici l'automne ou l'hiver prochain, on puisse enfin, du côté 27 mégas, avoir à nouveau le Québec. Qu'en pensez-vous? Ah ouais. Enregistré. Je descends direction Toulouse, donc voilà. Je suis un petit peu dans des moins bonnes conditions que Rémi au niveau trafic, mais bon voilà.
Ça passe encore de l'autre côté, il n'y a pas de problème, hein, moi ça passe très bien justement. Donc voilà, il n'y a pas de soucis pour ça. Et puis mais voilà, ça fait bien plaisir. Mais retour au micro, Rémi. Hein. Ok, enregistrer le break. Là, je me suis recalé un petit peu, je pense. Là, ça devrait être un peu plus comestible. Oui, c'est vrai que j'ai le poste là qui est bien chaud là de, dans le mobile. Normal. Puis en plus là, la voiture en plein soleil et tout ça, parce que ici, on a un temps un peu bizarre. Soit on a de la flotte et là, s'il fait un petit peu frais, hachi, ça c'est un petit sourire en passant. Soit d'un seul coup le soleil est là et combien j'ai dans la voiture? Ah ben j'ai 28. Voilà, j'ai 28 degrés dans le push. Donc ça aide pas trop pour que le poste refroidisse. Il y a eu un break, donc avec la permission de l'ensemble du groupe, en avant le break avec les bonnes 73. Ok Rémi, je te remercie pour le retour de micro RJ294, j'en compte sur Bordeaux. Et bien sûr les amitiés à Stéphane aussi, qui est en mobile, me semble-t-il. Salutations, vas-y Rémi, retour de micro à toi. Ok, merci pour le retour de micro. Les 73 à nous de Rémi, effectivement, là en mobile. Mobile arrêté et au pro sur Bassins. Voilà exactement là où je suis. Et je suis en compagnie, oui, bah, tu as entendu Stéphane, évidemment, là, qui est sur la rocade. Plus, j'ai bouffé son prénom, et pourtant il l'a dit. Qui est sur la station qui est sur Paris, là, qui m'a signalé un léger décalage de fréquence. Là, je pense que je dois être pas trop mal. Voilà, je me suis réajusté. Là, je pense que ça devrait être bon. Retour de micro sur la station de Paris. Alors c'est là où c'est marrant au niveau des ondes. Au niveau local, du coup je suis pas loin de le perdre. Alors que quelqu'un qui est plusieurs centaines de kilomètres plus loin, comme là à Paris, il entend très bien. Ok, je fais un retour de micro sur 294. Oui, c'est ça. Oh zut, j'ai zappé, désolé. Retour du micro sur. Ouais, je crois que c'est ça, 294. Merci Rémi pour le retour de micro. Roméo Juliette 294, Jean-Claude Bordeaux qui reprend. Hein. Et moi je vous entends toujours par l'intermédiaire du web SDR de Ludo. Retour à vous, Stéphane. Je suis en train de perdre. Il est là. Là, on voit l'avantage de l'analogique. On continue à entendre. Ouais, là, je suis en train de te perdre complètement. J'ai monté le volume, j'étais aux trois quarts, presque à fond. Hein. Là, pour arriver à te sortir. Donc, pendant que toi, tu arrives à m'entendre encore un petit peu, depuis tout à l'heure, j'ai le moteur qui est en marche, je vais finir par bouffer le plein de gasoil. Ouais. Là, je vais t'envoyer les bonnes sur 1351 pendant que tu arrives encore à me sortir. Bonne route à toi de ton côté, parce que là, on est vraiment sur la fin en ce qui me concerne. Là, j'entends plus que vraiment je t'entends plus que très faiblement. Bon, bah, signal zéro, hein, bien entendu. La radio est en train de baisser de plus en plus. Là, c'était sur la fin, c'était rendu une radio de 2. Et encore parce que j'avais vraiment, vraiment poussé le volume là, de mon côté. Hein. Retour sur 294. Merci Rémi pour le retour de micro. Voilà, je vais vous laisser continuer le QSO, tant soit qu'il faut puisse le continuer, puisque Stéphane s'éloigne. Pour information, Rémi, en
bon. Alors après, tu en fais ce que tu veux, et voilà. Si ça te plaît de venir faire un coucou quand il y a du monde, c'est avec plaisir. Et puis, ma foi, ben, si tu veux pas, ben, on marque dommage, c'est tout. Voilà, hein. On va pas se prendre la tête. Allez, Rémi, merci pour le petit contact. Bien 420. Sûr, pour plaisir. Je suis allé faire un petit tour, là, voir la dernière vidéo que tu avais mise sur le site. J'en sors, il n'y a pas longtemps. Donc, bonne continuation, Rémi, et au plaisir, Stéphane. Bonne route, et au plaisir pour vous aussi, et de bons contacts, si ça vous est possible. RJ294, Jean-Claude Bordeaux. Ok, eh bien justement là je suis en train d'en faire une. Alors j'ai coupé la partie où tu expliques ceci, cela, parce que bon là c'est pour le coup, non ça ça va pas être dans la vidéo. C'est cette partie là, j'ai fait un break là au niveau de la vidéo. Si ça te dérange, c'est toute ta partie de la vidéo que j'enlèverai tout simplement. C'est pas un problème. Déjà là, je sais pas combien de temps j'en suis là depuis ce matin, mais je crois que je vais m'arracher les cheveux au montage. Je sens bien que le PC il va rentrer en saturation quand je vais lui faire ingurgiter tout ça. Quoi. Voilà, donc par retour du micro, tu me diras. Déjà, la partie que tu viens de m'expliquer, ça c'est hors vidéo, c'est clair, net et précis. Si tu veux que toute ta partie soit enlevée, il n'y a pas de souci, je le ferai sans contester, sans ça sera, j'allais dire avec plaisir, c'est une connerie que je dis là, mais sans chercher à comprendre, si tu veux que j'enlève toute la partie qui te concerne, il n'y a pas de souci avec ça, tu sais comment je suis, j'aime bien que les choses soient claires. Ok, d'accord. Non, non, mais moi, il n'y a pas de souci. Hein. Tu me dis, je préfère que tu enlèves cette partie-là. Il n'y a pas de souci. C'est au contraire. J'ai toujours respecté les avis à ce niveau-là. Comme tu peux l'entendre des fois dans certaines vidéos, il y a des parties que je brouille. Voilà, c'est pas pour rien, parce que j'ai toujours eu un grand respect de la vie privée des autres là, à ce niveau-là. Tout comme moi, je partage rien de ma vie privée sur les réseaux sociaux. Je reste dans cet objectif-là pour les stations avec qui je suis en fréquence. Donc là, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on a discuté, déjà, ce sera pas dedans. Ça, c'est clair, net et précis. Je dirai pas plus sur la raison de pourquoi ce sera pas dedans, parce que là pour le coup, ben non. Hachi, ben quand je suis en train de voir l'heure, faut peut-être que j'aille bosser un peu quand même. Voilà, en plus il fait soleil, donc j'allais me faire une ronde là à pied. Donc je vais envoyer les 213-51, laisser reposer un peu le matériel, parce que là c'est chaud bouillant de partout. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai dû me recaler en fréquence, parce que le poste a chauffé un peu quand même. Tout à l'heure quand j'ai commencé j'étais en point zéro, là j'ai terminé et là pour le coup en point j'ai dû monter de 200 Hz pour récupérer la fréquence. Donc tu vois, il est temps que le poste se repose également avec. Donc les 213 à toi, merci pour les explications. Bon QSO à venir avec la propague. Cet après-midi, je me suis régalé également du côté des 40 canaux. Il n'y a pas de souci. Allez, ce que. Ah, attends, je ne vais pas arriver à relâcher le micro. Quelqu'un peut m'enlever le micro de la main. Les 73 renouvelés, je passe en QRT, il faut que j'aille bosser quand même. Et à la prochaine, et merci pour tout. Ok, Rémi, 73. Merci, bye. Ah oui, lui aussi, il faut qu'il refroidisse un peu. Et chez... Aïe, c'est chaud. J'ai eu dernièrement un petit souci de ventilateur sur l'Alpha Lima. Bon, lui, je l'ai changé. Mais ça, c'est un montage perso en plus. Mais quand il devient trop chaud, j'ai le petit relais de relâchement qui a tendance à faire l'andouille. Alors comme j'y connais rien en électronique, il faudra que je le fasse faire à l'occasion. Alors oui, il y a encore du monde, il y a encore de la propague. C'est bon ça. C'est un rideau.
Bon, c'est plus le même type de propag qu'il y a là. Ah, je crois que j'ai dit une connerie. Hein. Allez. Ah non, non, j'ai pas dit de connerie. La propag a changé. Donc là. Ouais, ça doit être l'Europe du Nord qui passe, j'imagine. Alors, voyons plus bas. Bon, là aussi, ça s'est calmé. Là aussi, ça s'est calmé. Bon, allez, il est temps d'essayer de reposer les cordes vocales. Alors, et pour l'heure, il est 16h30. Voilà. Donc je vais mettre fin à la vidéo. Et puis moi je vais me reposer un petit peu des QSO. Je me suis bien fait plaisir. Ça a été génial depuis ce matin. Plein d'anecdotes. Ouais, sur les zéros, il y a du monde aussi. J'ai une tente. Elle est où la virgule? Ah tiens, il y a longtemps que je n'ai pas vu ça. Alors, sur le précédent cycle de propag, on voyait pas mal de stations se mettre en terminaison 7. C'est plusieurs explications sont sorties là-dessus. Je sais plus trop bien ce qu'avait été dit. Bon bref, chacun voit midi à sa porte. C'est vrai que les habitudes sont soit ça ou ça. Et bien pourquoi pas là aussi. Alors, de toute façon, quand on regarde bien du côté des radios amateurs, il n'y a pas de terminaison ou terminaison 5, c'est n'importe où. Hein. Alors pourquoi pas là aussi hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis où? Non, je suis trop loin. Putain, petit balayage. Ouais, il y a encore de la propague. Un petit truc sur le Lincoln 2. Là, je fonctionne avec le VFO, c'est-à-dire le bouton de changement de fréquence canal rotatif. Mais si j'attaque directement... Ah bah tiens, j'allais dire sur le micro, ou alors ici, tac, ça me remet automatiquement en terminaison 5. Ça, c'est cadeau pour la fin de la vidéo. Allez, les bonnes 73 à tous, 14 kilomètres, 33-01. Rémi, Dandy 33, là pour l'occasion en mobile, sur le département de la Gironde, à côté de Bordeaux. Ça c'est dit, ça c'est fait. Ah, j'ai craqué, j'ai rallumé la caméra. J'ai entendu Scotland. Tout à l'heure, vu le fort accent que c'était, je sais pas si c'était pas des fois les USA. Bon,
Là, il est 17h05. Ouais. Scotland. Je ne sais pas si pour aujourd'hui on peut dire que le meilleur a été là tout au long de la journée. Ça peut remonter d'un coup tout à l'heure. C'est là que ça doit être intéressant, quand c'est plus faible comme ça, de basculer sur directive. Alors évidemment, en mobile, la directive, ça ne le fait pas trop. Je vois mal le truc. Ouais, bon, ça tourne un peu autour de l'Europe. Hein. Ouais, ce coup-ci, on coupe.